Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag. Aujourd'hui je vais réaliser avec vous le tag de Snapchat. Donc voilà, c'est une série de questions. Je ne sais pas combien il y en a, 2, 4, 6, 7. Il y a 7 questions. Donc pour commencer, la première question du tag est: qu'est-ce que tu as posté en dernier dans ta story Snapchat? Ce que j'ai posté en fait, c'était une photo il y a pas longtemps, enfin il y a quelques minutes à vrai dire. C'est tout simplement, ben voilà, cette photo comme quoi j'annonçais que je faisais un tournage vidéo. Et voilà, en fait, en gros, c'est ce que je publie à chaque fois que je fais une photo, enfin, que je me prépare à faire une vidéo. Alors, soit je me prends en photo, soit je prends en photo la caméra, mais voilà, ça change pas trop. J'ai averti, en gros, mon public comme quoi je vais faire une vidéo. La question 2, c'est: quel est ton filtre préféré? Alors, clairement, mon filtre préféré, je vais me prendre en photo et je vais vous montrer s'il y a encore. Voilà, il y a encore. C'est, en fait, voilà, le fameux filtre avec les... la souris, ou je ne sais pas, en fait je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, en fait c'est l'un des snaps, que c'est l'un des filtres que j'aime. Ensuite, prochaine question: quelle est la personne que tu suis le plus? Donc la personne que je suis le plus, en fait, c'est, à vrai dire, j'en ai plusieurs, parce que j'ai Enjoy Phoenix, j'ai Wartek, j'ai Gwen qui est Sweetie, j'ai Lucas Elsie. Ouais, je sais pas si vous connaissez, c'est un ami à Marie, je crois. Enfin, voilà, plus des youtubeurs, mais après j'ai pas trop de... Je suis pas trop de personnes, en fait, à part mes potes. Voilà, il y a Sandria26France aussi, que je suis beaucoup. Enfin voilà, en gros, vous m'avez compris, c'est un peu les personnes que j'aime bien sur YouTube. Ensuite, la question est: si tu pouvais suivre l'un des personnages d'Harry Potter sur Snapchat, lequel ça serait? En gros, moi ça serait Hermione, parce que tout simplement j'ai vu quasiment tous les Harry Potter, si je me rappelle, ou j'ai dû en louper un ou deux, mais j'ai compris l'histoire. Et en fait, moi j'ai choisi Hermione parce que tout le long des Harry Potter, en fait, j'ai toujours dit que je voulais être Hermione, parce que j'aime bien son histoire, enfin un truc comme ça, en fait, tout simplement parce que c'est un peu la seule fille des héros principaux, mais enfin des héros principaux, mais voilà, je peux rien dire d'autre parce que c'est le seul truc que je... voilà. Ensuite, la prochaine question est: quelle est ta plus grande peur sur Snapchat? Alors, ma plus grande peur, c'est d'avoir envoyé... enfin, de m'être trompée de destinataire, parce que je sais que ça m'est arrivé une ou deux fois. Et bon, heureusement que c'était pas par rapport à la personne, parce que je parle pas dans le dos des personnes, mais franchement, j'ai toujours peur, parce que alors, je suis toujours là pareil pour les messages, je relis toujours, en fait, deux fois au destinataire à qui j'envoie. Mais franchement, c'est une grande peur que j'ai. La prochaine question et avant-dernière question, c'est: quelle nouvelle fonctionnalité aimerais-tu voir sur Snapchat? Alors moi, ce que j'aimerais voir sur Snapchat, c'est qu'on puisse mettre des vidéos de plus de 10 secondes, style 20 secondes, mais 10 secondes, franchement, moi je sais que quand je veux faire des snaps pour mettre dans ma story, vous raconter un peu... bah des choses, bah je peux pas, parce que rien que 10 secondes ça m'énerve, j'ai l'impression que je peux rien dire et j'ai pas envie d'en faire 3000. Donc voilà, j'aimerais bien aussi ça. Et voilà, c'est vraiment un truc, après je vois pas ce que je pourrais, ce que je voudrais, en fait, j'aime bien tout. À part rajouter 3 millions de filtres de plus et de bitmoji aussi. La dernière question, c'est un truc commun que tu postes sur Snapchat. Alors si vous me suivez sur Snapchat, en fait je vous le mettrai juste là, voilà, juste en dessous. Mon Snapchat, c'est margot.france, et la chose que je publie le plus, en fait, c'est quand je travaille. En fait j'en ai trois: quand je travaille, quand je tourne une vidéo, et mon chien et mon chat. Voilà, je poste tout le temps ces trucs, parce que bah, c'est en fait la plupart du temps que je passe avec eux. Donc voilà, le tag est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ça vous a plu, et à me dire quel est votre filtre préféré en commentaire. Ça me ferait plaisir que vous y répondez, comme dans certaines vidéos où vous me répondez, où ça me fait vraiment vraiment plaisir de voir que il y a cette communication que j'adore, en fait, parce que j'adore parler avec les gens. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!